Alors évidemment, bonjour à tous. Oh oui, c'est très bien. Ça existe déjà ? On se demandait quelle intro il allait faire. J'ai proposé un Pierre Croce 2016. Bienvenue à tous. Vous, installez-vous dans votre canapé. Très question pour un champion. Très question pour un champion. Je vais présenter le concept. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Ah ouais. Ça va être très narcissique. C'est un blind test, mais non pas musical, mais un blind test des vidéos de Maison Grise. Donc, je vais mettre un extrait de vidéo et vous aurez uniquement le son. Parce qu'on a eu la flemme de mettre une télé avec un petit extrait vidéo. C'est juste un problème électrique. Attends, mais il faut donner le titre de la vidéo ? Alors, il faut donner évidemment le. Alors, le titre de la vidéo, non, on accepte le. L'à peu près. L'à peu près. Et par contre, il faut le créateur, le nom de la chaîne. Faut dire le monteur qui a monté la vidéo ou quoi ? Il faut également le chargé de prod. Ok. Déjà, si Ben a les prénoms des gens qui sont ici. Bah, il y a chargé. Non. Si, que les gens, c'est chargé. Non, c'est chargé de production, c'est le métier, ça. C'est le métier ! Oh, le con, le con, le con ! Donc, c'est très simple, c'est un blind test, c'est un concours, et à la clé, toujours 1 milliard. Sans unité, toujours malheureusement. Ah mince, c'est dommage. Donc, on va commencer directement. Première vidéo. Énorme plan derrière toi. J'ai vraiment l'impression d'être au rayon de Le Roi Merlin. Sous serre là. Moi, c'est à la chemise que j'aurai des rayons Le Roi Merlin. Pareil, ouais, ouais. Prêt. Allez. Qu'on y cherchait du pétrole. Tu ris, tu perds, chaîne de Benjamin America. Quoi ? Il est chaud ? Bah, après, c'est ta vidéo. Spécial chanson de beauf. Chanson paillarde, ouais. Tu donnes le score ? Tu donnes le score. Un point pour Benjamin qui était sur son terrain, qui jouait à domicile, qui jouait dans son stade. Ça donne un avantage à chaque créateur d'avoir sa création. Et Alaya qui est arrivée il y a moins longtemps, pas facile. On va voir si t'étais une vraie fan de Maison. Ah, ah mais à l'heure actuelle, je regarde toujours pas vos vidéos, moi. Ah merde. Pour moi, c'est assez clair. Là, faut pas tomber sur la mauvaise. Ah, pourquoi c'est dur ? On vote ton pire quoi qu'il arrive. Parce que dans tous les cas, toi, t'aimes pas ça. Je vais faire une tête un peu vite. Ah, je suis empoisonné. Là, alors, c'est pas celle-là. Ah, pourquoi c'est dur ? On vote ton pire quoi qu'il arrive. Bon, on vient d'apprendre que c'est une empoisonnée, là. C'est... Pizza empoisonnée ? Pizza empoisonnée, Lucas accepté. Troisième extrait, pour l'instant, Lucas et Ben ont un point. Bravo, vous êtes en tête. Merci. Si on s'arrêtait là, vous gagnez 1 milliard chacun. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Attention, plus technique. Logos. Oh oui. En vlog, bonjour à tous. Première vidéo à la maison. Non. Camille et Lucas refont leur studio. Camille et Lucas refont leur studio. Alors attends, je vous dis pourquoi. Très technique celui-là. C'était un vlog et on a un délire sur ce vlog-là en particulier avec PA. Et comme je pense que c'est PA qui a préparé la vidéo, je me suis dit il a dû le mettre quelque part. Ah, c'est de la private. C'était un peu du hasard, mais influencé quoi. Lucas, grand favori quand même globalement de cette compétition. On l'a pas dit. C'est celui qui a plus de connaissances là-dessus. Celui qui regarde le plus les vidéos. Tu peux être plus fort ou t'es à fond ? Je suis à fond. Tu commences à pas mettre la défaite sur les éléments un peu techniques. Parce que c'est plus orienté vers. Bon. Ça vient, je vais le tourner vers moi. Vas-y. Quatrième extrait. Pourquoi tu me sors ? Mais toi, ton téléphone, frère, tu fais quoi ? C'est ma mère, elle a le téléphone. Oh là, c'était là, la vidéo de Alaya, les cours, l'école de youtubeur. Ah, c'est ma vidéo. C'est incroyable de pas réagir. Je me suis dit, pourquoi je crie ? Vas-y. Cinquième extrait. Pour qui tu as voté ? Pourquoi ? Ah non, faut le dire. Oui, c'est gênant. Qui nous cesse ? Léo. Lucas va être très très costaud hein. Ah c'est ma vidéo là aussi, il faut dire. Ouais j'avoue. Sixième extrait, on enchaîne. Trouvez l'intrus dans cette série de mots. Poireau, chou ou girafe. Pierre Croce volume 2, jeu de société. Jeu de la scolarité avec télé-réalité. Jeu de la scolarité spéciale télé-réalité. Premier point pour Pierre. Septième extrait. Est-ce que tu prends un côté chacun ? Non. Pour le kiff. Non. Ouais mais ça veut dire que passe-moi le sel, c'est vraiment comme dans les films de la famille Jacques. T'es menotté avec Ben. Mais c'est un vlog ça non ? Drone, avec le son. Rip le drone, on a essayé de faire des plans de drone, je sais pas s'il y en aura dans la vidéo. Très technique celui-là, ouais. je le remets une fois, je remets le début. Pièce ininsonorisée. Non, pour le kiff. Non. Ouais, mais ça veut dire que passe-moi le sel, c'est vraiment comme dans les films de la famille Adams. Ah, c'est juste genre un film, non ? Passe-moi le sel. C'est le seul truc qu'il fallait pas spécialement retenir, je pense, passe-moi le sel. On est en train de visiter un truc et on essaie de faire du drone et le drone a... C'est pas une nuit dans une grotte ? Non, ah, c'est Benjamin découvre le chalet de luxe qu'il a raté. Oh ! Très technique. Il était dur, ouais. Bah, surtout vidéo que personne n'a vu. Ah, mais je savais même pas que je l'avais fait. Moi, j'arrive, je suis concurrent, je me fous en face, je mets une pizza, je suis pas sûr que ça marche moins. On n'a pas à rougir d'une pizza, je pense. Alors ? Bah, duel de pizza sur la chaîne de Ben, pizza chorizo kiwi. Pas du tout. Bon, le nom de duel de pizza me fait rire. Hyper drôle, passons pas du tout. Moi, j'arrive, je suis concurrent, je me fous en face, je mets une pizza, je suis pas sûr que ça marche moins. On n'a pas à rougir d'une pizza, je pense. Les jeux de mots des vitrines, Pierre Croce. Jeux de mots de magasin. Putain, j'ai zéro poil. Du monde sincère, le fait que tu regardes pas la vidéo. Oui. Ok. Pour les shots de l'enfer. Pourquoi c'est le boxeur qui est normal? Messieurs, gage numéro 2. Le bowling de Fred. Ah bah oui, ouais, je laisse le point à Ben. Il a dit en premier en même temps. Allez, je laisse le point à Ben. On va faire nos questions perso. On va échanger nos pions. Donc là, vous allez prendre les rouges cette fois. Comme ça, on va commencer. Mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Bon, je sais pas si... Les vlogs des références. Ah, t'es très raso-moquette, toi, attention.
Benjamin qui fait mal à Razmoquette. Pigeon, pigeon. Qui est le plus grand pigeon? Oh là là, impossible à avoir. Impossible à avoir. Oh les bâtards. Oh les bâtards. C'est ma vidéo, 24 heures pour essayer de pas énerver l'autre. Eh B. C'est quand on a retourné ton studio. Ah, ok. Donc là, je suis avec Guillaume qui a... Bon, une surface un petit peu trop bas. Benjamin coupe les cheveux à Maison Grise. Ouh ! Incroyable ! Bien joué. Là, c'est fort. Il y a combien pour le rappel des scores ? Je rappelle qu'il y a un milliard à gagner. Lucas, 5 points. Ben, 3 points. Et 1 point pour Pierre et Alaya. Attention, tout est possible dans la compétition. Puisque, bah, c'est logique, il y a un point à chaque fois. Très bien. Pierre Cross, qu'est-ce que ton hiérarchie ? Tu bois l'apéro, le meilleur apéro de l'histoire. C'est pas le meilleur apéro. Ou Rome. Très bien. Bon, allez, accepté. Mais attends, on va quand même se le remettre, ce qui est drôle, l'extrait. Très bien. Pierre Cross, qu'est-ce que ton hiérarchie? Il avait dû avoir quelques verres. Ça, c'est à la fin, ça. Attention, ça enchaîne. Aujourd'hui, introduction un peu particulière. Pourquoi? Il y a 6 mois, j'ai eu l'idée d'une vidéo qui consiste à... Ah, non. Bah, Airbnb. À 30 euros, ce machin-là. C'est une nuit d'hôtel, apparemment. Ah, bah oui. Donc personne n'a le droit. T'as quoi toi? Mes coloriages, reine des neiges. Ouais. Une journée comme un enfant. Une journée comme un enfant. Oh, extrêmement rapide celui-ci. Tu les re-regardes régulièrement? Je les re-regarde, je les chéris, je les encadre et j'ai écrit les dialogues bien avant qu'on les tourne en fait. En fait, vous le savez pas, mais ce qu'on fait, c'est le genre de courts-métrages qui sont préparés un an à l'avance. Et là, je sais ce qu'il va dire. Oui, voilà, exactement. Le CNC les valide et. Tu peux doubler la phrase d'ailleurs, s'il te plaît? Alors, je l'ai mal fait du coup. Ouais. Parce que le CNC nous les valide. Et... Allez, on enchaîne. Cette plante compose essentiellement le pesto, le basilic, évidemment. Le meilleur burger, qui est le dernier qui mange? Ah oui, c'est ça. Non, ou le premier qui mange? Alors non. Donc du coup, c'est le dernier qui arrête de manger? Ouais. Où ça? Je l'avais fait plusieurs fois, non? Chez moi. Ah. Bon, je donne le point quand même. Ouais, c'était à la villa. C'était à la villa, ouais. C'est celui de la villa. On est exactement le même nombre de personnes que la dernière fois, puisque personne n'a été éliminé. Oui. Ou plutôt, ouais. Une personne a été éliminée, c'est moi. Deuxième épisode de Royal. Ouais, après le bingo, mais je sais plus ce que c'était. Faut trouver, attends, on va... Vous pouvez trouver, je pense, pour ça. C'était pas la patate chaude? Exactement. Ah, oui. Point pour Alaya. Je suis sûr qu'elle avait révisé les Olympiades pour venir aux Olympiades saison 2. Évidemment. Tout regarder. Évidemment. Les seuls vidéos que t'as regardé, ok. C'est vrai. Peu vexant. Moi j'aime bien en apéro de. Je trouve que ça va un peu classique. Un peu ah bah, le des meilleures dégustations de vin là, c'est un peu facile. Un peu facile. Il y a un peu le titre dedans. Aucun souvenir de cette vidéo et jamais vu. Combien de notes sur le même mot? Même s'il est un peu court. Allez, Fredo. Ah, c'est les Olympiades, les troisièmes quand on est. Elle a révisé toutes les Olympiades. Non, quand Fred il faisait contre Anthony et contre Ninou avant de partir en finale de beer pong. Non, c'était juste ici dans le studio. C'est le karaoké royal. Celui qui est passé au JT? Exactement, c'est la vidéo qui est passée au JT. Eh, j'enchaîne des points là, Guillaume. 7 points, incroyable. Lucas, 5. Allez, il y a 2, Pierre, 1. On le disait pas gagnant, Ben, il est très chaud. Attention. Quel est le point commun entre un roi et un taureau? Les jeux d'échecs, des blagues sur Pierre Cross. Non. Oh putain, ça aurait pu être ça de ouf. Quel est le point commun entre un roi et un taureau? Ils rentrent tous les deux dans l'arène? Bah, The Voice blague. The Voice blague, ça marche hyper bien sur Alaya, le blague. Ah, c'est une autre vidéo, hein. Elle se remarre aux extraits qu'elle connaît pas. Attention. Allez, c'est reparti. Comme quoi c'est pas mal. Putain, j'allais dire la luge, mais non, c'est pas la luge. Vu que j'ai le micro qui sature, c'est pas la luge. Hey, comme quoi c'est pas mal ce masque. Hein. Oh, j'en ai une qui est juste ici. Oh, il va l'avoir en une seconde. J'en ai une qui est juste ici, je la prends juste après. C'est une nuit en Islande quand on cherche les coques. Non. Une nuit dans une piscine à boules. Ah. Pas facile. Ça avait l'air trop bien ça à faire. Quelle est la vitesse moyenne dans P? C'est une stat très sérieuse. Ah, dernier qui dort gagne. Le dernier qui dort gagne de Lucas, ouais. Qui est une des vidéos les plus vues de ta chaîne, je crois. Ouais, et en fait, je l'avais revu il y a pas très longtemps, mais avant de faire le 2. Et du coup, c'est pour ça que je c'est quoi la vitesse moyenne d'un P? Je sais plus, alors là. Attends, écoute. Quelle est la vitesse moyenne d'un P? C'est une stat très sérieuse qui est sur internet. Ouais, je crois que c'est rapide. 200 km/h. Ah ouais? C'est un PGV. C'est bon ça, quand PGV? 11 km/h. 11. 11 km/h. Et pour info, un homme pète 15 fois par jour. C'est vrai? Ouais. 16. Incroyable! Merci beaucoup. On a eu autant de monde sur une vidéo, nous? Merci, merci beaucoup. Merci. Dany Briand. Mais oui! Dany Briand! Deuxième point pour Pierre, évidemment. Deuxième, non? Trois. Deuxième seulement? C'est incroyable d'essayer de sécher une feuille, j'ai un stylo. Sur ma chaîne, là, tu vois, genre là, tous les fans de Golden Grams, ils m'insultent après. Tous les fans. Meilleur céréale. Ah non. Meilleur céréale? De compétition de meilleur céréale? Compétition de la meilleure céréale. C'est dommage. Ouais, pourquoi j'ai hésité? Si vous voulez faire que du chocolat noir, vous mettez tout dedans, vous mélangez et vous faites vos boules directement. Là, on passe. Bah, quel meilleur pâtissier? Non, la recette de beignet. J'ai Verica Cookie, meilleur cookie. Monstrueux? Ah oui, chocolat, boule. Les cookies du bonheur.
Ah oui, bah oui, c'est le fameux tube, les cookies du bonheur, bien sûr. Ah, chapeau, Lucas, hein. Attention. Attention là, parce que si derrière ce ballon il y a 400, je gagne 400 euros. Les paris de Lucas Studio. Non, le coup dur pour l'instant avec les goals, j'ai rien. Ah non, c'est un truc vivre une ticket à gratter, non? Vivre une semaine uniquement avec l'argent de tiré. Pour moi, c'est Pierre, il était juste devant. Attention, on enchaîne. Ça y est, on est dans le temps additionnel. Un match de foot contre les U12? Non. On affronte le club d'enfance. C'est salaud, mais ouais. C'est salaud, mais ouais. Ok, attends, mais on a fait un faux public en son là. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ok. Qui joue? Toi, tu joues? Ouais, je suis chaud. Je suis hyper chaud. Bon, j'ai aucune idée de ce truc pour l'instant là. Les 10 pompes, c'est bien, mais je laisse à Michou ça. Ah si, c'est alors vlog ici au chapiton, vous avez des défis d'abonnés ou je sais pas quoi, non? Il est trop fort. On s'inflige les pires défis avec les meilleurs invités. C'est là où tu portais Michou sur la miniature là, ça? C'est là où je portais Michou. C'était le fameux feat Guigui Michou. C'est comme ça qu'il a fait danser avec les stars, ça a venu de là. Lucas qui passe devant Ben, incroyable! Y'a quoi? 9 pour Lucas et Ben 8. Pierre 4, Alaya 3. Hey, salut. Salut Thomas. Je me mets où? Par rapport aux chaises. Le dernier qui arrive au bureau là. Par élimination, Thomas. Du coup, je me mets là. On t'écoute, hein. On écoute le projet. Les vlogs de la maison, qui est le meilleur projet Non. Non, c'est quand ils sont passés présenter les projets pour l'année 2022 pour ce qu'ils voulaient changer à la maison. C'est exactement ça, là, gars. Félicitations. On négocie le salaire à Maison Grise, mais c'était ça. Attention, il reste 2. Ça va, les gars, vous tenez le coup? Ouais, a priori, ça va. C'est une tension là. Non, mais pour nous, ouais. C'est pas facile. Quel est le quotidien d'information le plus diffusé en France? Cash ou QCM? Un quotidien, donc un journal papier. Ah, Miss France Maison Grise. Miss France Maison Grise, exceptionnel. Je sais pas comment tu l'as celui-là, mais... Ah, j'avoue que j'ai participé à ces vidéos, donc c'est vrai que ça aide. Attention. Si je le mets dans la Mac, vas-y, il doit 80 euros. Je sais pas du tout s'il cadre bien, mais je le fais. Déjà, on parie sur les trucs du quotidien. Ah non? Non, c'est vlog aussi. Comme ça, ok. Ah oui, premier vlog de la maison. Ouais, je pense. Ouais. Premier vlog de la maison, on vous présente notre maison. Bravo à Lucas, donc bah vainqueur par KO. Je sais pas si c'est bien de gagner là-dessus. Il passe énormément de temps sur YouTube, félicitations. Merci, mais après, dans la plupart des vidéos, j'ai tourné en vrai, donc c'est vrai que ça a été. C'est vrai que Lucas, c'est peut-être celui qui a le plus de présence sur toutes les vidéos là. Ils auraient peut-être pu faire. Oh non, mais peut-être qu'ils avaient. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus les autres. Mais là, c'est. Est-ce que c'est le premier degré? T'as préparé avec Pierre? Non, pourquoi non? Non, mais c'est pas grave, quoi, c'est pas... Non, on est copains, quand même. Oui, non, bien sûr. Non. Mais vous avez préparé ensemble, enfin, quelqu'un a... C'est PA qui a organisé, qui a dit, je donne la victoire à Lucas. C'est gênant pour toi, là. Très bien. Lucas Vaqueur, Ben, belle surprise, quand même, il s'est accroché jusqu'au bout. J'ai fait ce que j'ai pu, mais malheureusement, bah, Lucas, de toute façon, plus fort en YouTube que moi, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des grosses vidéos qui vont sortir, Lucas? Non. Ok. C'est quoi ce moment promo? Je sais pas, je tente des trucs. Très bien, mais j'espère que ça vous a plu. Et notamment à vous qui sont devant votre petit écran et votre petit canapé. Je suis chaud pour laisser finir tout seul. Voir son style présentateur. Vas-y Guillaume, présentateur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous les amis d'avoir participé à ce jeu. On fait le public nous. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre notre image là, en petit, un générique qui défile à côté, sachant qu'il n'y a que deux noms à mettre, donc ça va être très très long. Ce soir, le dîner de con avance à une page de publicité et la météo par Sébastien Follin. Allez, ciao, bonsoir. Bravo, bravo, merci, bravo, 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 Sébastien bravo, 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 bravo.